Savez-vous, c'est où ça? Ah, à Dubaï! Un Fairmont! Fairmont, c'est le plus bel hôtel! Ouais, ça c'est comme le château Frontenac! Hein, le manoir Richelieu, les gros hôtels qui coûtent cher! Ouais! Ben, nos policiers et nos fonctionnaires, c'est là qu'ils dorment, là. Ah! 213 000 de notre. De notre argent! Ouais! Pour une convention, là, fait qu'ils ont décidé de coucher dans. Hein, des Fairmont! Ben oui! Des belles, belles, belles dépenses! Extravagante de nos politiciens, comme François Legault, Pierre Fitzgibbon, puis tout ça, là. Puis nos fonctionnaires, ouais. Puis ils ont quoi en commun, ça? Ils ont une autre chose en commun, hein? Pierre Fitzgibbon, François Legault, carte de crédit, un chef à New York, chandail de Guy Lafleur, de l'essence, des cours de tennis, Amazon. Ben ça, c'est toutes les dépenses qu'ils font avec notre argent. Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Laissez-moi les savoir, sur la vidéo. Êtes-vous d'accord? Oui, 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 no problème, Bruno. Calme tes nerfs, Bruno. Hey! Le pire, ça, c'est les dépenses extravagantes pour moi. Hein? Moi, je pense que c'est... Il y a d'autres hôtels moins chers que ça. Si c'est ton argent, puis ton voyage de noces, ou ton voyage de rêve, puis tu payes cet hôtel-là avec ton argent, no problème. Mais pourquoi avec la mienne? Hein? T'as pas l'affaire. Puis pourquoi tu le caches? Parce que là, ils veulent pas le divulguer. Fait que moi, là, je suis con des dépenses extravagantes. Mais pire que ça. Pire que ça. En plus de dépenser notre argent, ils sont même pas capables de payer le compte avant la fin du mois. Fait que pire que ça, avec notre argent qu'ils dépensent dans de l'extravagance, on paye de l'intérêt. On paye de l'intérêt parce qu'ils payent en tort. Ça a-tu du cas de bon sens? Moi, là, j'en viens pas. Puis... Ça m'entend, parce que on essaye de trouver, puis là, c'est caché. Puis là, ben, t'as des journalistes qui font du bon travail, qui demandent l'accès à l'information, mais là, ils sont pris, là, il y a plein d'embûches. Et là, moi, j'avais goût aujourd'hui de vous dire, hey, dans les commentaires, un, like la vidéo, dis, hey, vous êtes contre ça, partagez, il faut que tous vos réseaux sachent que nos crisseux fonctionnaires, puis nos politiciens dépendent de notre argent sans compter, puis sans s'en soucier, puis en plus, ben, même pas le bill à la fin du mois. Mais là, j'avais le goût de dire qu'il rembourse, lui! Mais là, c'est quoi? Je me suis calmé. Et là, j'ai dit, hey, c'est pas la solution, ils rembourseront pas. Fait trop longtemps qu'on fait des vidéos, puis qu'on a bâti notre communauté, nous autres, les vraies affaires, zéro bullshit, puis on a tenté, hein, faire des hacks commerciales, François Legault rembourse nos dépenses, hein. J'ai même déjà essayé de dire, hey, donne-nous les mêmes crédits d'impôt que t'as. Et là, ça m'a allumé. Il y a un an, j'ai fait, j'ai eu une couple de Zoom meetings, vous étiez peut-être là-dedans, là, mais, c'est un peu ma. Mon testing de mon master plan. Parce que moi, depuis 15 ans, je bâtis ma vie sous un modèle d'affaires. Un modèle que j'appelle Bruno Inc. Et c'est une formation que j'ai appelée mon master plan. Et là, imaginez-vous, j'ai eu le goût de dire, ça ne donne rien qu'on demande à eux autres de rembourser. Voyez-vous, là, Pierre Fitzgibbon démissionné, nos problèmes. Hein? Pas imputable de rien. Notre vote, là, encore des emplois fermés. Ça va tout chier, ce projet-là. Pas grave, puis à ta retraite, t'en amour, Pete. Ils sont pas imputables de rien. Fait que j'ai dit, voici ce qu'on va faire. On va, je vais transmettre mon master plan à ma gang. Alors, je vous dis, j'ai créé, j'ai résumé, j'ai fait des vidéos, j'ai fait une bonne plateforme de formation que j'ai mis sous la vidéo, là. Ça s'appelle mon master plan. Et je vous la donne gratuite, sans engagement. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur la vidéo et d'aller vous créer un compte et de suivre la formation. Je parle finance, je parle santé, je parle relations humaines. Et ce que je parle surtout, c'est que j'explique que on devrait tous se créer un Bruno Inc. Qui nous permet de profiter du système fiscal à son plein potentiel. On a tout un premier revenu. On a tout une première source de revenu qui est pour la plupart notre salaire. Fair enough! Mais maintenant, là, où est-ce qu'on va dépenser le plus toute notre vie? Hein? Je pose la question souvent, là. Hey, qu'est-ce qui va être notre plus grosse dépense toute notre vie? Puis on entend parler souvent des gens, là, des wannabe experts. Non, mais c'est des experts, c'est correct. Ah, oh, c'est votre maison, votre hypothèque. Non! C'est le fucking gouvernement. C'est nos impôts. C'est ce qu'on va payer toute notre vie. On finira jamais de payer ça. Puis les autres, ben, ils font juste ajouter des couches, des taxes, hein, autant au niveau municipal, provincial, fédéral. Ben, la façon de minimiser ces dépenses-là, c'est de se bâtir des Bruno Inc. C'est de comprendre notre système en ce moment fiscal et de travailler dans ce sens-là. Et moi, j'avais le goût de partager ça. Fait que j'ai créé une plateforme de formation. Et je le partage. Puis là, je vous dis, tous ceux qui vont aller suivre la formation de base que j'ai mis en ligne, je m'engage, vous allez être ma première cohorte, si je peux dire, et je m'engage qu'on le fasse ensemble. Puis que 2025 soit une année
turnover pour nous autres. Où est-ce qu'on va commencer à dire un peu là? Oui, on a une première source de revenus, puis vous allez voir dans la formation, j'explique comment créer plusieurs sources de revenus. Mais aussi comprendre que on a un problème de dépenses fiscales. Le système est fait pour nous garder pauvres. Puis même si vous êtes fonctionnaire, là, vous envoyez trop d'impôts. Vous payez trop d'impôts pour rien, pour des systèmes de merde. Pas eux autres. Eux autres, là, c'est pas pris de leur... Toutes les dépenses de nos fonctionnaires politiciens, c'est pas pris de leur argent. C'est de la nôtre. Fait qu'écoutez, je vous l'offre. C'est sous la vidéo. C'est gratuit sans engagement. Vous n'êtes pas bougé. Pas grave. Puis moi, ben, écoutez, je fais jouer la petite intro puis je vous parle là, de ces super comptes de dépenses-là qu'ont nos super politiciens fonctionnaires. All right, je fais jouer l'intro, je vous vois dans 2 secondes. Hey, bonjour la gang, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, encore une fois, je sais plus quel terme, là, mais on va dire flabbergasté. Ouais, nos politiciens qui dépendent. Nos problèmes, l'argent n'est pas aussi facile. Hein, c'est l'argent des contribuables, c'est notre argent. Les autres, ils dépensent, nos problèmes, hein. Puis, nous autres, bon, on est là, puis on dit rien, puis on peut rien faire, puis personne n'est imputable. Donc, hey, first of all, like la vidéo, c'est bon l'algorithme, c'est bon, ça aide la vidéo à se diffuser. Puis, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord. Êtes-vous d'accord, vous autres, à ce que les politiciens, les fonctionnaires puissent dépenser avec la carte de crédit de notre argent sur n'importe quoi. Ton affaire qui serait apparemment utilisée pour leur travail, fair enough. Et si vous... On va en lister une couple, là, pour dire là, si ça... C'est logique. Alright? Donc, puis partagez. Mais qu'à la fin, parce que je pense qu'il faut qu'on le sache. Mais là, la solution que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que j'ai créé une petite formation où on va. J'enseigne comment faire la même affaire. Ouais! De créer, de bâtir sa vie sous un modèle d'entreprise. Moi, j'appelle ça mon Bruno Inc. Puis, sur la vidéo, je le mets là, ça s'appelle mon master plan. Allez vous inscrire, je le donne gratuit. Juste pour vous autres, je le donne gratuit jusqu'à la fin du mois pour que vous puissiez aller voir ça. Puis en échange, ce que je vous demande, OK? Vous allez voir, là, je vais vous demander un tip si jamais là pour supporter l'hébergement puis tout ça, mais c'est pas obligatoire. Puis sinon, je vais vous demander vos inputs. À me dire, hey, c'est intéressant cette petite formation-là que j'ai faite en ligne. C'est gratuit, OK? Sans engagement. Mais là, ça a sorti la semaine passée, puis ça a commencé par dire, hey, nos politiciens dépensent, puis nos fonctionnaires dépensent pas mal, hein? Puis surtout Amazon. Amazon est le plus gros fournisseur de nos politiciens et nos contribuables. Pourtant, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait le panier bleu, hein? Puis il disait acheter local. Puis on le sait, là, c'est un flop monumental, le panier bleu. Si vous regardez dans mes vidéos sur la chaîne, j'en parlais, je le disais la première fois que ça a sorti. C'est n'importe quoi, le panier bleu. Comme de fait, j'avais raison. Pourtant, des fonctionnaires apparemment bien qualifiés, eux autres, là, oh, pensaient que c'était une bonne idée. Hein? Comme là, ils viennent... En tout cas, je vais me renseigner, là, mais j'ai entendu ce matin là, qu'il avait fait un genre de répertoire pour les autres, tout ça. Eh non, des bullshit qui n'a pas de bon sens. Mais en tout cas, je vais pas parler de ça. Donc, là, on se rendait compte que... Regardez, ça, c'est un bel hôtel. 5 étoiles, le Fairmont. Fairmont, là, c'est le plus beau hôtel. Okay? Parmi les plus belles hôtels dans le monde, au Québec, ben, on a le Manoir Richelieu, qui est un Fairmont. On a le Château Montebello, qui est un Fairmont. On a le Château Frontenac à Québec, qui est un Fairmont. Donc, on a les belles affaires. Okay? Et ça, c'est un étoile. Là, 213 000 pour héberger nos politiciens. Pour une conférence. Tu es obligé de prendre le plus gros? Tu es obligé de prendre le plus cher? Ou un des plus chers? 213 000, come on! Pour entre nous autres, là, tu sais, la convention était pas dans cet hôtel-là. En tout cas, je pense pas. Et à la base, tu vas dormir, là. Hein? D'habitude, tu vas à ta conférence, tu fais un petit 5 à 7 à happy hour, probablement sur notre bras, un souper, probablement sur notre bras, tu vas te coucher, hein? Puis tu vas à la conférence, tu dors un petit peu moins, 6, 7 heures peut-être. Puis là, ben, c'est pour dormir. T'as-tu besoin d'être dans le plus gros des hôtels? Je sais pas! C'est ton argent, fais ce que tu veux, mais si l'argent est contribuable, y'a-tu moyen qu'on fasse attention? Il manque d'argent partout! Puis là, ben, on apprend après ça que, écoutez, là, à New York, il y aurait un chef pour une de nos délégations qui les nourrit. 101 000 piastres de salaire. Et lui, là, il a une carte de crédit, puis il commande de la bouffe pour quand nos délégations s'en vont à New York. Je sais pas! Écoute-tu moins cher que des restos? Fais attention, là, tu ne prends pas des grands restos à New York. Mais moi, je sais pas. Là, après ça, Airbnb à Atlanta, 3 mois, 21 000 $ pour aller à un grand prix.
5 000 $ par mois. C'est le prix des Airbnb, c'est moins cher qu'un hôtel. Attends qu'on s'amuse, OK? Attends qu'on prenne 5 000, OK, divisé par 30 jours. C'est 233 la nuit. Bon, Atlanta, c'est le prix d'un hôtel, peut-être. Et à la fin, quand, là, pendant 3 mois, c'est ça que je voudrais savoir, on ne sait pas, parce qu'il cache, il divulgue plus, là, il ne veut plus le dire. Après ça, ben, là, ils ont trouvé du gaz. Fair enough, là, t'as du déplacement des fois avec ton char, mais ça serait peut-être du gaz personnel. Des chats GPT, des licences payantes de chats GPT, des clubs de tennis. Ouais, un club de tennis. Mais, à la barre, pis là, ben, il y a eu le chandail de Guy Lafleur. Mais tu sais, hein, moi aussi, j'étais un collectionneur, OK? Et c'est de la déco, même titre que t'achètes des câbles décorer ton bureau. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, moi, j'ai le goût, là, qu'il y a des choses là-dedans, pis là, ce qui me choque le plus, un, c'est les extravagances des dépenses, et qu'on paye pas le bill à la fin du mois de la carte de crédit pis qu'on paye l'intérêt. Là, on fait juste engraisser Mastercard pis Visa. Ça, c'est tata pour moi. Mais là, j'avais le goût aujourd'hui de vous dire comment nous on peut faire. Comment nous on peut faire comme eux autres. Ça donne rien. OK? Je sais que des fois, j'ai déjà dit, là, un commercial François Legault remboursera jamais. Personne n'est imputable, on est dans un système de même. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est nous profiter de nos lois. Pas frauder, pas voler. Moi, je suis pas sûr. Mais de dire, écoute, si on appliquait les mêmes règles pour nous, ben c'est exactement pour ça que j'ai créé mon master plan. Puis là, sur la vidéo, je vous le dis, là, j'ai créé des vidéos. J'ai fait une petite formation. Et je veux enseigner ça. Je vois s'il y a des intéressés. OK? Ça me prend du monde ambitieux, ça me prend des gens disciplinés, ça me prend du monde qui veulent changer leur situation. Mais moi, j'ai été formé comme ça et moi, j'ai compris que si on développe notre Bruno Inc., vous avez compris que c'est notre prénom Inc., si on pense à nos finances comme une entreprise, on peut profiter de beaucoup, beaucoup plus de déductions que si on pense en salarié. OK? Et tout le monde sait salarié. À la base, notre première source de revenus, c'est tout notre salaire. Fait que vous n'êtes pas différent. Puis ça inclut même les gens qui sont fonctionnaires, là. C'est correct d'avoir un premier salaire. Et plus qu'on peut avoir un bon premier salaire, c'est excellent. Le hic, c'est que on va se faire voler toute notre vie et on va payer une personne trop toute notre vie, c'est le gouvernement. Alors, comment on peut mettre en place? On peut créer des entreprises? Eh bien, moi, j'ai décidé de vous partager tout ce que moi je fais depuis 15 ans. C'est simple. Je vous partage comment je l'ai monté, comment j'ai parti, et je vais même vous encadrer et vous offrir, vous enseigner comment démarrer là-dedans. Gratuitement. Sans engagement. OK? Tout ce que, en fait, c'est faux. Il y a un engagement, c'est un engagement de temps. Il faut suivre la formation. Donc, mais à la base, si vous n'aimez pas ça, tu déconnectes puis tu délites ton compte. C'est pas grave, c'est gratuit. Donc, et je sais qu'il y en a qui vont dire que gratuit, ça n'a pas de valeur, mais là, je suis en mode pré-lancement. Je veux voir si il y a des gens qui sont intéressés, puis je veux voir s'il y a des gens que ça leur tente de changer leur situation et profiter un peu des stratégies que les lois nous offrent, mais qu'on nous enseigne pas, que nos gouvernements nous enseignent pas. Pourquoi? Ni dans le programme éducatif, ni à nos enfants, parce que, hey, on serait trop de brillants à profiter des largesses du système. Alors, si ça vous tente, c'est là. Sinon, laissez-moi savoir dans les commentaires. Êtes-vous d'accord que c'est des belles dépenses-là? Hein? Sur notre bras? Moi, non. Mais, j'ai fait mon mea culpa. Je suis assez aujourd'hui. J'étais assez allumé pour savoir qu'il n'y aura pas de conséquences. Même si on crie fort ça. Fait que là, j'ai le goût. Puis je vous le dis, là, je vais bâtir une cohorte 2025 où est-ce qu'on va se rencontrer, on va se parler, puis on va bâtir notre Benoît, si ça vous tente. Alors, j'avais le goût de parler de ça aujourd'hui. Alors, j'ai hâte de voir s'il y en a qui sont le 7 ans, ça vous tente de vous inscrire. Écrivez mon master plan, cherchez ça là, dans le sous la vidéo, puis venez vous inscrire. Puis moi, ben, je vais vous garder contact parce qu'on va se rencontrer même en Zoom pour qu'on évolue là-dedans et on grandisse là-dedans. À la base, c'est une plateforme de formation en ligne que j'ai montée. C'est gratuit, sans engagement. Mais après ça, il va y avoir des rencontres ensemble où est-ce que je vais vous encadrer, je vais pouvoir répondre à vos questions, puis on va pouvoir grandir là-dedans. Vous êtes... je l'ai déjà fait l'année passée. C'était un draft l'année passée, mais là, j'ai quelque chose de plus concret. Alors, on essaye ça. Je veux voir qu'est-ce que vous en pensez. Et je veux vos inputs surtout. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui prétend avoir la vérité absolue. Non, non, non. Moi, je veux grandir et puis vous aider là-dedans comme moi, j'ai réussi à le faire. Puis que plusieurs de mes mentorés ont réussi à le faire aussi. All right. Fait que là-dessus, je vous dis, ben écoutez, j'espère voir dans le cours. Puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao, la gang.